Un concours de bouffe, hein? Eh, dites donc, combien de ces petites choses Krusty a-t-il envoyé? Ouh, c'est fini, j'ai attrapé un torticolis à force de regarder les mini Krusty à mes pieds. Oh, je crois que l'un d'entre eux m'a piqué mon permis de conduire. Dites-moi que je suis sentimental, mais je crois que ces petits clowns me manquent déjà. Ils sont tous partis maintenant, mais il y a encore 2 secondes, il y avait des mini Krusty par centaines. J'aurais bien aimé avoir un journaliste pour enregistrer cette belle victoire. Eh, mon gros, on se sent bien aujourd'hui? Eh, Andouille, ta trappe est ouverte. Et maintenant, va falloir te la jouer sans fil, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une bande de mini Krusty que je vois? Ou bien je suis devenu géant et c'est des Krusty de taille normale? Oh non! Voilà des nouveaux mini Krusty! Je me demande s'ils sont tous montés dans la même voiture de clown. Calme-moi, sommaire. Y a pas de quoi paniquer. C'est juste une nouvelle vague de mini clowns assoiffés de sang. Oh, et voilà de nouveaux petits clowns. Comment des trucs aussi mignons peuvent-ils être aussi dangereux? Encore et toujours plus? Mais je pensais que c'était fini. Je me suis déjà lavé les mains. Pauvres petits gars. J'espère qu'ils seront heureux dans l'enfer des clowns. Un donut géant. Ce donut n'est pas assez gros pour nous deux. Me regarde pas comme ça avec tes yeux laser géants. Tu te crois plus fort que moi? T'es pas mieux que moi. Hé, c'est moi le plus gros ici. Compris? Tu sais, vu d'en bas, tu ferais presque peur. Ouh, j'ai été laserifié. Hé, j'avais dit pas de laser. Ça fait quoi de se faire arracher les fils? Ça doit faire mal, hein? Bart a fait mal au gros monsieur. Je me sens plus léger clair. Regardez-moi, je vais m'envoler. Est-ce que j'ai déjà connu une sensation aussi délicieuse? Tout plein de sucre. Trop plein de sucre. Je ferai un régime plus tard. Ce chocolat mériterait encore plus de chocolat. J'en ai la chair de poule. Et peut-être même la chair de chocolat. Je pourrais faire ça toute la nuit. Je veux faire ça toute la nuit. Mon petit chocolat, je vais te dévorer jusqu'au bout. Le plein de calories. Je veux tout chocolat dans ma bouche. Meurs, chocolat. Chocolat, tes funérailles vont être fondantes. Je vais choper ce lapin. Je vais me faire un vrai festin. Laisse-moi juste croquer l'oreille. Le chocolat est pas censé faire des bons. Je mangerai même tes yeux en sucre. Je vais te dévorer de partout. T'aurais dû rester dans ton œuf de Pâques. T'es tout cassé, mon lapin. Oh, tu te casses en 1000 morceaux. Mais tu saignes même pas. Ouh, choco miam miam. Ah, si l'aîné pouvait voir ça, je peux te briser une oreille. C'est encore plus large que les fesses de Marge. Il y en a assez pour 2 fêtes d'anniversaire. J'espère que ta garniture est pleine de chocolat. Ouh, quel beau morceau. C'est le roi des morceaux de chocolat. Oh, mère aime chocolat. Bonne nuit, mon chocolat. Le meilleur morceau, c'est tous les morceaux. On va voir ce que tu vas faire sans ta tête. Alors, c'est qui l'idiot maintenant? Tu verras pas la prochaine Pâques. Pâques commence plus tôt cette année. Oh, mon Dieu, merci. Je vis le plus beau des rêves. C'est mon anniversaire ou quoi? C'est moi qui lui ai tout appris. Continue comme ça, fiston. Ou sinon... Allez, continue, Bart. Je veux dire, Bart, fais pas ta star, fiston. Je vais être fier de toi, Bart. T'as intérêt à me rendre fier de toi. Tu peux pas gagner si tu perds. Réfléchis bien, tu vas perdre. T'es encore pire que moi. Je vais t'avoir. Tu vas apprécier ta défaite, gros nul. Je te battrai même avec les yeux dans le dos. T'as l'air idiot. Tu sais même pas te goinfrer. Ferme ton clapet. Je t'ai fait mal. T'es par terre, crétin. Dans le mille. Ne sois pas trop rancunier quand même. Mauvais. Me regarde pas comme ça. C'est mignon d'avoir essayé. Je suis le roi du monde. C'est moi le plus fort, loser. Je suis ton pire cauchemar. C'est pas au jeu qu'il faut en vouloir, mais à toi-même. Je veux des baguettes. Ouh, la Chine. C'est là qu'ils ont inventé les crèmes glacées. Le pays du ping-pong. Jider.
plaît à tous les mangeurs de Végémite. J'ai le ventre tellement gros qu'il va déborder sur le Mexique. Une petite douzaine de crêpes, s'il vous plaît. Ouh, mais ils ont des petites boulettes de viande. Les États-Unis, aime-les ou mange-les. Oh, ma belle boulette de viande. J'ai à peine eu le temps de te connaître. Ces super tacos étaient un peu secs. Et ça, regagnez votre planète lose. Je suis pas votre copain, c'est pas la peine de me demander. Vous vous battez contre moi parce que vous êtes jaloux. Les extraterrestres, c'est tout sauf extra. Vous vous croyez fort, c'est ça? Chez vous, c'est vraiment le musée des horreurs. Vers l'infini et au-delà. Je suis fier de toi, mon grand. Oh, mon fils grandit si vite. Mort aux extraterrestres. Bravo, fiston. Super, faut tous les tuer! Je savais bien que ce que j'ai appris dans les années 80 me servirait un jour. Ce soir, on va faire la fête comme en 1979. Oh, c'est cool, mais ça fait super mal! En cas de besoin, mes bourrelets nous protégeront. Aide-moi, sale gosse paresseux! Bart, amène tes fesses par là! Cet endroit m'a définitivement fait changer d'avis sur les extraterrestres. Il l'a bien mérité, après tout. Vas-y, le bouseux! Et maintenant, opération Cassez-vous, les extraterrestres! On va gagner pour notre planète, quelle qu'elle soit! C'est qui la créature bizarre, maintenant? Je flotte! Berk, vous êtes encore plus moche que Selma et Patty réunis. Vous plaisez pas aux femmes d'abord. Vous compliquez tout. Iti, mourir, maison. Brûle en enfer extraterrestre. Perdu, lutin de l'espace. Forme de vie supérieure, tu parles. Je crois bien qu'il est mort. Bouh, l'extraterrestre est mort. Je l'ai bien eu. C'est les humains qui commandent. T'es un pro du dégommage d'extraterrestres. Ah, pourquoi les extraterrestres sont jamais fatigués? Ah, c'est quoi le mot magique? Pourquoi nos extraterrestres sont pas aussi sympas que Alf? Ah, ce foutu jeu est trop dur. Faut qu'on éteigne ces feux. C'est le fouilleur fouillé. Vive les donuts! Les petits hobbits sont attaqués! Le dragon va calciner les hobbits! Ah, ça sent les hobbits roussis. Je vais gagner des points d'expérience en vous donnant une bonne leçon. Attention, ça va saigner comme dans Donjons et Dragons. C'est l'heure de la raclée! Je vais vous avoir. Les deux moches, vous allez mourir! Calcinez vos dernières proies, mesdames, car moi, je vais vous fumer! J'ai toujours voulu vous tuer, mais maintenant, encore plus que jamais! Du ribwitch! Donuts! Des burritos! De la baguette! Du pain! Des escargots! Nacho, nacho man! Crocodile! Du gâteau asiatique! Sushi! Des cerises comme dans Pac-Man! Bah, qu'un fruit! J'adore la sauce piquante! Du jambon, des pepperonis, du hot dog. Génial, oui, génial, de la brioche. Oh, des membres de lapin au chocolat. De la tarte de hobbit. Du chou. De la viande de porc. Ouais, à boire. À moi la bibine. Des frites. Haggis. De la panse de brebis farcie. Oh, hamburger. Et à bon hot dog. Des boulettes de viande. De la viande. C'est bon. Des bretzels. De la bouffe mexicaine. Taco. Ah, j'ai pris une grosse bouchée. Des fruits pixelisés. Du fromage. Pizza. Du pain à l'italienne. Du 4 quarts. Oh, mon petit sandwich. Toi, tu sais comment me rendre heureux. Chocolat. Du riz. De la bouffe américaine. Du bon manger. Youpi! Des gros steaks de manger. Des noodles. De la crevette. Oh, encore du riz. Bah, des cerises.
Bonbon, bonbon. Ouh, de la mousse au chocolat. Plus d'échecs, plus d'échecs. J'adore le chocolat. L'Écosse, le pays de l'avarice. Cette ville est bien mieux que toutes les autres. J'espère que je chalis pas mes vêtements. Cet endroit est chocolastique. J'espère que je croiserai aucun Oompa Loompa. J'adore Chocolat City. Ce coin est tout plein de chocolat. Les infrastructures de cet endroit sont magnifiques. Et pourquoi Springfield n'a pas aussi bon goût? J'aimerais bien rencontrer le maire Chocolat. Je vais acheter notre maison de vacances ici. J'espère que le réchauffement climatique sera épargné ce paradis. Si cet endroit est un rêve, je vais dormir tout le temps. Alors c'est ça le futur? Ouh, un temple! J'espère qu'il y aura des sucreries. Cet endroit est impressionnant, mais on dirait que personne n'y habite. Je me demande qui a construit cet endroit. Einstein, peut-être? Même avec les sacrifices humains, je les trouve cool, ces Aztèques. Où est la cage du singe? On devrait toujours remercier Van Helsing pour avoir tué tous les méchants dinosaures. C'est dingue, quand même. On a tous évolué depuis les trucs présents ici. Des armes? Des germes? De l'acier? Il y a tout dans ce musée. Je sais pas qui je préfère ici, les gens ou leur vin. C'est donc ici que venait Napoléon, ce vieil empereur français à moitié fou? Si on est en France, alors où sont tous les festivals de cinéma? Les femmes françaises sont plus belles et plus poilues que je l'imaginais. Parmi toutes les parodies de jeux possibles, pourquoi il fallait que le jeune grand-père se retrouve dans celle où il y a des champs de mines? C'est donc ici que notre civilisation est née? Eh bien, Pinaise, il y en a qui ont de l'imagination pour nous sortir un jeu de guerre pareil. Cet uniforme me fait des grosses fesses. La guerre, c'est l'enfer, on peut même pas faire la sieste. Je pensais trouver un Starbucks sur un bateau aussi grand. Des capes? Des runes? Des oreilles pointues? Oulala, je me suis transformé en vendeur de BD. Dans mon monde, les petits hobbits, on les appelle des nabos. Les hobbits mangent 10 fois par jour. J'aimerais bien être l'un d'entre eux. Ce genre d'endroit ressemble aux discussions des intellos quand j'étais au lycée. C'est comme une cave à vin, mais sans vin. Ici, ce serait plutôt de l'hydromel. C'est peut-être ça un donjon, mais pour moi, c'est juste un endroit craignos. Je préférerais refaire le niveau du concours de bouffe, ou bien en découvrir un autre. Mais par pitié, pas ce niveau bizarre dans un donjon froid et humide. Je manie mieux la zapette que l'épée. Mais pourquoi aucun niveau de ce jeu n'est basé sur les films Police Academy? J'ai plus d'appétit qu'un troll. Avant, j'aimais bien le centre commercial, mais maintenant, il y a trop d'extraterrestres. J'espère qu'ils vont pas détruire le snack bar. Tiens! Je crois que c'est l'anniversaire de Lenny aujourd'hui. Y en a qui payent même pas le parking. Et moi, pourquoi je suis pas dispensé? Je pensais que c'était plus spacieux. Ça doit en consommer de l'essence, leur engin. Si on s'en sort, faut qu'on pique des trucs ici. J'étais zappé. Mais ça fait mal, les lasers. Les cyclopes, allez vous faire voir ailleurs. Ça donne envie de rester là et de jouer pendant des heures. C'est le paradis des geeks ici. C'est quoi cet endroit? Ça me change de chez moi. J'ai faim. Coucou, ma belle. Fiston, c'est pour quand la puberté? Salut, mon cœur. Le plein de calories, c'est pour Bibi. Des kilos en plus. Go, en route. J'aime bien attendre. Je vais poireauter par là. Je préfère ça à travailler. Youpi! Une pause. Le plein de super. C'est mon petit péché à moi. Vive les donuts. Ok, génial. C'est moi. À mon tour. Je suis prêt. Au boulot. J'arrive. Je peux aider, hein? J'attends toujours. Je veux me rendre utile. C'est chiant. Homer sait pas quoi faire. Bien, c'était le pied de trouver ces 4 clés d'accès. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On possède tellement de cartes d'accès que je me sens comme le gérant d'un hôtel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nom d'un macaroni, ce type est plein aux as. Ce mec doit se croire meilleur que nous avec tout son argent. Je pourrais très bien être riche comme lui, mais je préfère aller chez Mo. Même sa pelouse est plus belle que la mienne. Ce mec m'énerve déjà plus que Flanders. Il doit être heureux avec tout son pognon. Qui est donc ce fameux créateur?
Eh bien, il s'agit sans aucun doute de l'homme qui nous a créés. Oh non, pas des avocats! J'aime bien les avocats mayonnaise, mais pas les types comme vous. Les avocats sont synonymes d'un tas de problèmes. Faut réformer la justice, et tout de suite! Je préfère les avocats comme Erin Brockovich. Je ferai jamais appel à vous. Les avocats sont la cause de tous nos problèmes. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je déteste les avocats. J'en ai marre de me battre contre des méchants. Vous auriez dû apprendre à vous amuser à la fac. Vos costumes sont plus moches que la famille Flanders. Arrêtez de vous la raconter, vous valez pas mieux que moi. Ah, on dirait que vous avez subi un petit accident. Je viens de vous donner une bonne leçon de droit. C'est qui le plus nul maintenant? J'aime bien rabattre le caquet des avocats. Vous n'aurez rien obtenu de moi. Cette musique me fait penser à un canapé rouge. Oh, j'ai une soudaine envie d'envoyer de l'argent à Danny Elfman. Ah! Notre créateur ressemble à un étudiant lunetteux. Alors notre créateur, c'est ce mec-là? C'est encore plus beau que la demeure de Monsieur Burns. Quand je m'embête, je pense à des pâtisseries. Cette maison est encore plus grande que dans la niche de Snoopy. Je connais des tas de pauvres qui aimeraient bien vivre là-dedans. Je comprends rien à vos blagues. Comment t'as osé m'appeler comme ton père? J'aime pas ton style de hippie, Matt. Pourquoi tu m'as pas dessiné avec moins de ventre? Arrête de me donner l'air stupide. Dans une autre vie, on aurait pu être amis. Retourne en Russie, communiste. Prends ça, Matt Gringoin. Youhou! Dans le mille, ça fait mal, hein? Ah! Des robots venus du futur! Ah, je comprends rien au dessin animé moderne. J'aime bien ton style, mais casse-toi maintenant. On se revoit en enfer, R2D2. J'aimais pas tes blagues. Va pleurer chez ta future maman. Oh, j'ai déjà vu ce docteur quelque part. Tes blagues sont trop bizarres. Tu peux retourner sur ta planète d'origine maintenant. T'es même pas un vrai docteur. Retourne te marrer avec la nana à un œil. Les téléspectatrices te trouvent tout repoussant. T'as eu ton compte, mon bonhomme? Prends ça! Je t'aime pas parce que t'es pas comme nous. Quand je pense qu'on a le même père, Zoidberg? Mais quel nom bizarre! Ça calme, hein, gros nul! Hé, hey, gros lard, par ici! Hé, hey, mon petit gros, viens par là! Gros lard, dis bonjour à ton plus grand fan! Mais ça va pas du tout! On m'a piqué mon arme! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon arme? Je peux pas l'avoir comme ça, il est trop fort! Bart, tu peux t'en occuper? Je suis trop bourré, moi! Aie toujours confiance en toi, fiston! Contrairement à moi! Les mecs de la marine sont des ploucs. Retourne chez les village people, mon pote! Hip 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 pour l'armée! Hip 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 pour l'armée! Tu l'as bien eu, fiston! Tu viens de mettre une raclée au grand-père de Smithers? Génial! Coller une correction à Smithers, c'est un vrai rêve! Nul, nul, nul! T'es vraiment super nul! Tu crains, Smithers du passé! T'es un loser à n'importe quelle époque! Oui, t'es vraiment un Smithers, toi! Tu savais que ton petit-fils était un lèche-botte? Waouh, un niveau à la Donjon et Dragon! J'espère qu'il n'y a pas trop d'ados boutonneux dans le coin! Mais qu'est-ce que c'est? Bart, t'es trop jeune pour aller sur cette plateforme. Bart, je crois qu'il faut que je te parle des sensations bizarres que t'auras peut-être en montant sur cette plateforme. Oh, pourquoi c'est toujours Bart qui monte sur les plateformes sexy? Des lolos. Bart, c'est pas poli de grimper sur les murs. Et puis tu vas mettre tes empreintes partout. Me laisse pas ici, Bart. Il y a peut-être des araignées. J'ai trop le vertige pour sauter d'ici. Tu peux m'aider? Pendant que tu joues l'acrobate, je reste planté là comme une andouille. Ah! Monsieur Burns! Oh, pleure pas, mon petit Bart. Papa arrive et te laissera plus jamais partir. T'as réussi, Bart. Tu m'as sauvé après m'avoir laissé pourrir. Ça, c'était pas gentil, mais t'es mon gentil petit garçon. Oh, je peux pas t'en vouloir. Je monte avec plaisir. Je savais pas que tu parlais grec. Tu devrais peut-être éviter de parler à ta mère de la cave et des magazines de bikini. Par contre, c'est ok pour les chauves-souris. Je me suis toujours bien senti dans les caves et les tranchées. Découvrir cette cave a vraiment changé ma vie. Ou bien est-ce que c'est moi qui l'a trouvée? Bah, on s'en fout.
stupide cave. Marge m'a demandé de plus attaquer les gardes. Notre mission est d'arrêter une bande de brutes. Oh, mais j'aimais bien me battre contre les gardes pourtant. Ah, joli dinosaure. Gentil dinosaure. J'espère que mon squelette lui sera aussi utile un jour. Allez, Bart, allez! Bart est aussi agile qu'un cascadeur professionnel. C'est super, Bart! Mais fais pas de bêtises! Ah, le monde était plus cool avant qu'on doive mettre des futales. C'est dingue de se dire que les hommes ont un jour été violents. Je me demande ce que ces grosses boules représentent. C'est ça l'espace intersidéral? Mais alors où sont les fourmis géantes de l'espace? J'irai pas jusque là-haut. J'ai bien trop de dignité. Et de peur. Faut vraiment être dingo pour monter là-haut, moi je vous le dis. Bart, regarde pas en bas, sinon tu vas tomber. Si tu tombes, tu peux utiliser tout mon amour comme parachute. Allez, vas-y Bart, y es presque. Ah ! Ouh, c'est vraiment du coton. Je vais en faire un joli napperon. Ce drapeau, il a vraiment rien de spécial. Je me demande si ces trucs brûlent aussi bien que le drapeau américain. Ça fera un cadeau pour l'anniversaire de Marge. Mais en voilà un joli chiffon. Il est idiot ce drapeau. Ouah, un jeu en SVGA. Saucisse de Francfort. Je préfère les Mac. Tu veux que je fasse un tir de schnapps? Moi, je préfère le monde des Schtroumpfs. Eh ben, ce genre de truc m'arrive tout le temps quand je suis bourré. Dans ces cas-là, vaut mieux faire comme si tout allait bien. Foutu guerre! Ah, ça fait mal! Ah, c'est pas gentil! Pas cool! Ouh, mon dieu, c'est encore une de ces guerres où on se fait tirer dessus! Ah, ils tirent avec des vraies balles! Au début, je croyais que c'était des piqûres de moustiques! Ah, ils nous tirent dessus! Ça, c'est pas très classe! Voilà pour toi, méchante pièce d'artillerie! J'espère que cette arme n'avait pas de famille! J'ai fait boum au méchant! Retournez au Canada, bande d'andouilles! Tu sais ce qui est encore plus bizarre? En Islande, donner un pourboire est considéré comme une insulte. Il est sûrement parti sauver le monde. Ou faire la sieste. Ok, j'ai capté. Vous voulez nous tuer? J'ai posé le C4. Et en plus, il me reste mes 4 doigts et tout le reste. Ouh, le C4, c'est comme de la pâte à modeler. Je me demande si c'est comestible. Je devrais ramener du C4 à Maggie pour qu'elle joue avec. Vous me faites pas peur, dictionnaire et pire, je peux prendre mon vendredi? Vous avez jamais été jeune avant? Vous avez déjà été bien pire avec moi dans le futur. Un jour, ma fille vous fera payer tout ça. Faut grimper. Je vais laisser Bart le faire. Bart, tu peux grimper là-haut? J'ai pas envie, moi. Ça descend. Quand je me mets là-dessus, ça descend. Je suis un génie! Plus vite, Bart! Les versions ratées de nous-mêmes sont proches de la fin! Bart normal, dépêche-toi! Ton autre toi est presque mort! Bart, même si j'aimerais bien me débarrasser de nos copies ratées, on doit quand même les sauver! Même Lisa est pas assez intello pour porter des lunettes pareilles! Hey, Einstein, tu pues! Si t'es intelligent, pourquoi t'es pas un peu obèse? Le savoir, c'est pas le pouvoir! C'est nul! C'est pas parce que t'es respecté que t'es cool pour autant! Je parie 5$ que Sport sortira jamais. Oui, Bart, c'est ça. T'as réussi ça comme un chef. T'as réussi le puzzle. Un télo. Aïe, mon gros visage. Bim, bam, boum. La fête est finie. Petit incident de parcours. Désolé. Oh, je me barre loin. J'ai fait dans mon slip tellement j'avais peur. Salut, mon grand. Et surtout, reste en vie. Lâcheté. Emmène-moi loin d'ici. J'ai jamais entendu parler de vous. Votre tête me dit quelque chose. Vous êtes encore plus chauve que moi, Franklin. Vous sentez comme les femmes françaises. Bon, super, vous avez inventé l'électricité. Et après, vous dansez aussi mal que moi. Si seulement les autres dieux pouvaient voir comme vous êtes ridicule. Même Snoopy danse mieux que vous. Oh non, les policiers sont furax. C'est qui le mauvais maintenant? Hein? J'aimerais bien m'allonger, moi aussi. Ça, c'est tout, moi. Bien joué, gros nul. Reste pas par terre trop longtemps, ils vont te sucrer ta paye. Ça, c'est mon fiston. Je retiens ma respiration. Toi, tu comptes. Alors, j'ai tenu longtemps? De là-haut, est-ce que tu vois où il cache la bière? Bart, je m'ennuie! Fais-moi rire! Allez! Hey, Bart, c'est qui le plus malin? Moi ou Lisa? Hey, dis! Tu ne t'es jamais demandé ce que ça ferait de vivre comme les Gypsy Kings?
Parce que moi, oui. Un jeu de guerre, ça va être du gâteau. Sauf si c'est Rumsfeld qui commande. Pour honorer nos vétérans, y a rien de mieux que de leur faire revivre les horreurs de la guerre dans un jeu vidéo. Je veux pas voir! J'ai le vertige! Dis-moi juste quand on va atterrir. Waouh! On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Nous sommes dans un donjon, Marge. Ça sent moins confortable que notre chambre à coucher. Génial! On se croirait dans un de ces vieux jeux des années 80. Vous avez été vaincu! Est-ce que je peux prendre votre argent maintenant? Ouais, t'es génial, mon petit sucre. Oh, t'es sexy quand tu te bats, Marge. Tu sais faire le ménage, mais aussi te battre. Ouh, t'es la meilleure des femmes. Clé en or, je t'aime. Hé, hey, ce truc en or ressemble à une clé. Ouais, cool, ça fait comme dans Dragon Slayer. Oh, qu'est-ce que j'étais nul à ce jeu. Ça, c'est un boss moche de chez moche. Je vole. Oh, est-ce que c'est grâce à la science, à la magie ou à la bulle de mes bières? Super, une japoniaiserie. Donne une bonne leçon à ce grelard. Allez, Lisa, allez. Montre-lui de quel bois on chauffe chez l'oncle Sam. Ouh, j'ai une surprise pour toi. Bim, bam, boum. Je vais invoquer le pouvoir magique de l'animal. Allez, la magie va vous mettre une raclée. Eh, hey, mec, t'as besoin d'une bonne douche. J'espère que c'est seulement de la poussière que t'as sur toi. Je vais te casser en deux, idiot de sumo. Je peux pas t'encadrer, toi. J'ai tué le plus gros bonhomme du monde. À bientôt, sumo vendeur de BD. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce gros lard? Tu refoules vraiment du goulot, mon gros. Je suis sûr que tu sais même pas faire de la peinture japonaise. Enfin bon, bah moi non plus. Allez, continue, mon gros. T'as besoin d'exercice. T'es aussi agile qu'une tranche de rôti de bœuf. Mmh, du rôti de bœuf. Sumo, ça rime avec lourdeau. Oh, je crois que j'aime pas trop ce niveau. Oh, voilà encore un. Mais dans une nouvelle version. Y a rien de pire qu'un sumo qui garde son sang-froid. Je peux pas te mordre, sinon ma langue va rester collée. T'es vraiment obèse. Et pourtant, je sais de quoi je parle. J'ai froid et toi, t'es moche. Et dès que je t'aurai battu, ça ira mieux. Si personne me regarde, je vais piquer un ou deux trucs avant de partir. Ce mec se prend pour un sumo désert ou quoi? Moi qui pensais que ce sumo allait nous apporter des plateaux repas, même pas. Allez, viens te battre, sumo désert. T'arriveras pas à me battre. T'es un crétin en deux syllabes. Je vais me payer ta tête dans ton style. Foireux! Je devrais affronter Francis Bacon, c'est lui qui a écrit vos pièces. Qu'est-ce que vous avez écrit d'autre que je puisse continuer à vous insulter? Vous êtes un rigolo à côté de Tom Clancy. Vous savez écrire, mais vous savez pas vous battre. Incroyable, mais vrai. Dieu est une quiche aux jeux vidéo. Oh non, encore c'est lourdeau. Mais t'es plus dans le coup, c'est une raclée nouvelle génération, ça. Mais la police n'est pas censée connaître la courtoisie? Dites ce que vous voulez, moi je m'aime bien. De toute façon, je vais pas le prendre personnellement. Retire ça tout de suite! Vous êtes des gardiens, pas des chambreurs. Eh ben d'abord, je vous aime pas. Je vais te faire manger ces mots. Manger. Je te règle de ma liste de Noël, dès l'année prochaine. Je suis déjà assez méchant avec moi-même. Monsieur Rigolo, il a fait boum. Mon gamin, c'est un vrai dur. Je vois que t'aimes pas trop l'autorité, c'est bien. Oh, j'avais misé 20 billets sur le garde. Moi, j'aurais bien aimé que mon père m'emmène dans des bagarres. Oh, ils deviennent de vrais guerriers si vite, nos petits garçons. Hé, hey, vous! Oui, vous, les nazes de la terre du milieu! Je vais vous mettre une dérouillée. Je vous botterai les fesses si j'avais mon livre Donjons et Dragons pour les nuls. Vous ne passerez pas! Eh oui, vous êtes encore mort! Fallait pas m'embêter. C'est ce qui arrive quand on se mesure à un homme qui a vu 5 minutes du Seigneur des Anneaux avant de s'endormir. De la bouffe magique. De la bouffe magique. C'est ce que doivent manger les magiciens. Non, ça va. J'ai juste un peu mal. Tu vas mourir un jour, toi aussi. Eh bien, moi, je préfère ne pas y penser. Tu peux pas être un peu plus positif? Homer aimerait également de la bonne bière. Je me ferais bien une bouffe mexicaine. Tu m'aimes?
même encore, voix de jeu vidéo? Ouais, Lisa, écrase-le comme Godzilla a explosé Tokyo! Votre attention à tous, c'est ma petite fille, là! Oh, personne regarde. Avec moi, ça déménage. Activation d'attaque spéciale. Je suis super puissant. Je vais tout casser. Je passe en mode super pouvoir. Attaque de bombec en force. Que les bonbons soient avec moi. Attaque de bonbons. Voilà pour toi. Je dois bien accorder aux Japonais qui savent faire des super lecteurs de DVD. Je pourrais prendre ma retraite ici. Ouh, le temps est sympa par ici. J'aimerais bien goûter des hamburgers au sushi. Ça doit être bon. C'est quoi le gros en couche-culotte, là? On dirait que le gros sumo veut se battre. T'aurais pas pu rester dans ta boutique de BD? J'étais bien nu. Maintenant, va prendre une douche. Alors, ça fait quoi de perdre comme un gros loser? Je t'ai battu parce que t'as pas su me nettoyer. Oh, il y a un passage avec de la lave. Je déteste ça. Ah, j'espère qu'on approche bientôt de la fin. Je savais pas qu'il y aurait de la lave. Je suis affamé, fatigué et au Japon en plus. La chaleur va faire fondre mon futal. Oh, tous les bonbons vont fondre dans ma poche. Mais t'es fringue. Je te croyais bien plus fort. Et le sumo est au tapis. T'étais pas bien dur à battre. Tu feras plus peur à personne. T'étais pas si fort que ça. Oh, j'ai pas pris mon anorak. Si j'étais bourré, j'aurais même pas froid. Si on avait plus de temps, on ferait des bonhommes de neige. Ouh, j'ai les tétons qui pointent à cause du froid. Je sens plus mes doigts de pied. Allez, Simo des glaces, t'as pas honte de toi? Je vais te décongeler, moi, tu vas voir. Eh, Simo des glaces, je vais t'envoyer brûler en enfer. Je me suis tellement battu que j'ai même pas eu le temps de faire de la luge. Bon, j'espère que tu vas retenir la leçon et que ça t'a refroidi. T'es tout juste bon à garnir un congélateur. Allez, lève-toi, je veux te battre une nouvelle fois. Waouh, ils sont vraiment forts, ces Japonais. Bon. Où se trouve la bouffe sur ce machin? Tu te prends pour le roi des airs? Allez, je vais te battre. Je vais te faire bouffer du nuage, moi. Je vais te mettre en orbite, tu vas voir. Le ciel t'est tombé sur la tête. Tu peux retourner chez ta mère, gros nul. C'est moi le commandant, maintenant. Allez, va-t'en. Retourne vendre des BD. Quand faut mettre des raclées à des obèses comme moi, je suis le meilleur. Je m'excuserai pas, désolé, mais c'est comme ça. Voilà pour l'alcool, la cause et le remède de tous les problèmes de la vie. C'est pas parce que ça m'intéresse. Pas que je comprends pas. Essayer, c'est faire le premier pas vers l'échec. J'arrive pas à croire que les extraterrestres aient traversé le système de défense de l'ENI. Oh, une invasion d'extraterrestres! Ouh, j'ai peur, je veux pas mourir si tôt! Nom d'une pinaise, donnez-leur ce qu'ils veulent à ces extraterrestres. Sauf si c'est de la bière. Réfléchis, Homer, réfléchis. Qu'est-ce que Gébus ferait? Ces extraterrestres sont pas la bonne avec Marge. V'là le songe d'une nuit ratée. Vos pièces sont complaisantes et pas drôles du tout. Écrivez un sonnet là-dessus. Rendez-vous en enfer, Shakespeare. Un petit monologue? Shakespeare est nul. Eh, le créateur de toutes choses, c'est faiblard. Et vous vous dites joueur? Pour commencer, vous êtes nul. D'abord, qu'est-ce que vous avez contre les ornithorynques? Hein? Ouh, joli toge, le hippie. Fiston. Assomme-moi, d'accord? Je vais passer une nuit de plus à Chocolat City. Ce livre est trop difficile. Dites-moi ce que je dois faire. À mes pieds, les lapins! À mes pieds! Mourez, mes lapins! Mourez! C'est le jour le plus heureux et le plus triste de ma vie. C'est quoi la Seconde Guerre mondiale? Je connais juste la Grande Guerre. Regardez-moi, je suis une grosse boule rigolote et je peux me goinfrer autant que je veux. Je serai jamais plein. Mon rêve se réalise enfin. Merci, mon Dieu, c'est pas un rêve. Des insectes déguisés en clowns. Ah, des sportifs miniatures. Ils sont comestibles, ces mini-clowns? Oh, et dire que j'ai oublié mon poison anti-clown. Homer, tu es pitié crusty.